Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne pour le mois de décembre sur les énergies du mois de décembre. Nous allons nous attaquer aux signes d'air qui sont donc les balances, les gémeaux et les verseaux. On se retrouve du coup sur mon tapis de divination pour vous faire votre tirage, amis de l'air. Donc nous avons les cartes du tarot du cercle de la vie avec les arcanes majeures et les arcanes mineures. Les petites runes qu'on connaît bien. Nous avons également les cartes de l'oracle de divination des temps anciens qui vous a beaucoup plu dans le dernier mois, donc je les ai ressorties. Et l'oracle des miroirs. Nous allons nous attaquer tout de suite aux Gémeaux. Hop, nous revoici donc amis Gémeaux donc sur mon tapis. Alors vous étiez très gourmand parce que vous avez pris deux cartes d'arcane majeure et arcane mineure. Donc bon bah je sais que vous êtes par deux en général, mais quand même, vous avez été assez gourmand. Donc, on va regarder tout de suite. Donc arcane mineure. Nous avons l'as de coupe qui est ressorti et nous avons le 8 de bâton. Voilà. Arcane majeur, nous avons la tempérance qui est ressortie avec la carte de la justice. La rune, on retrouve Urouz. Nous avons la carte de l'homme pour l'oracle des miroirs. Et nous avons la carte ici, la planche de Ouija. La carte de la vigilance. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, amis Gémeaux? Bah, amis Gémeaux, forcément, vous avez plus de cartes. Du coup, on demande quoi? On demande de faire attention, c'est sûr et certain. Il y a des choses qui sont pas très très nettes hein, autour de vous, même en vous. Faut faire attention. Il faudra faire des choix. On vous demande d'être un peu plus prudent dans votre manière d'être. Parce que vous pouvez pas continuer à porter deux masques, deux visages, selon les personnes qui sont en face de vous. Vous êtes peut-être habitué à avoir un certain comportement avec machin et un autre comportement qui n'est pas du tout le même avec d'autres personnes. Faire attention par rapport à cet aspect-là. On vous demande de vous modérer un peu plus. On vous demande de peser un peu plus sur le pour et le contre aussi. Donc il faut vraiment que vous agissiez un peu plus sur. En vous, là ça vous concerne. Là, on ne parle pas de votre entourage, ça vous concerne vous. On vous demande d'être vigilant sur votre comportement avec les autres, de faire attention à ce que vous pouvez dire, de bien peser vos propos. Donc ça va dans ce même sens-là. De faire attention à ce que vous allez dire et attention à ce que vous ne dites pas non plus. De faire attention à comment à votre comportement de manière générale. On vous demande de lâcher les masques, de lâcher les masques et montrer votre véritable nature, même si elle ne plaît pas, si elle ne plaît pas à tout le monde, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Vous essayez de plaire à tout le monde, mais vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et vous risquez de mettre plus en froid des bonnes personnes que les mauvaises personnes, entre guillemets. Il y a des personnes que, tout actuellement, ils sont avec vous, ils sont sympathiques, tu peux être en couple, en amitié ou des choses comme ça, qui sont de votre côté, mais. Le problème, c'est que vous ne montrez pas tout à cette personne-là non plus. Et le problème, c'est que si ces personnes se rendent compte de votre véritable nature ou votre véritable comportement et que vous l'avez caché ça ne va pas leur plaire du tout. Alors que si vous êtes franc dès le début, que vous l'enlevez votre masque, bah, vous pouvez éventuellement garder cette amitié. Alors peut-être que ça ne va pas évoluer positivement. Peut-être que si, imaginons, dans un rencard, il y a une personne qui vous plaît. Mais que voilà, enfin, lui n'aime pas. Par exemple, vous êtes fumeuse, j'ai une bêtise, vous êtes fumeuse. Et que la personne dans un autre encart dit qu'il déteste la fumée, parce que voilà, il a eu plein de cancers du poumon dans sa famille, tout ça, donc il ne supporte pas fumer de cigarette, il a horreur de ça. Et vous lui dites, ah bah, non, moi je fume pas non plus. On dit, bah, pour lui plaire, une action pas si méchante que ça. Et le jour où il vous voit avec une cigarette, c'est fini. Il le prend comme une trahison et. Ça va le couper, ça va détruire tout ce que vous avez pu faire avec lui en attendant. Et alors que par contre, si vous lui dites, je pense à ce rencard, si vous lui avez dit ou si vous lui dites que bah en fait vous fumez aussi, je vais pas dire qu'il va bien le prendre, il va pas dire oh ouais super, non, ça va pas être ça, mais il pourra mieux l'accepter parce que vous avez joué franc jeu dès le début en fait. Il faut pas de masque, il faut vraiment laisser tomber les masques. Faites attention à votre comportement et à vos propos. Et surtout aussi ça, c'est par rapport au message que vous pouvez dégager à certaines personnes. Il y a un travail à faire pour vous ce mois-ci sur votre comportement de manière générale. Voilà. Voilà pour vous,
Les Gémeaux pour ce mois de décembre, un mois qui va vous demander d'être sur le recul et sur l'abandon des masques pour vouloir plaire à tout le monde, ce qui ne sera pas le cas. Voilà, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. On va s'attaquer au signe suivant, donc je vous propose qu'on s'attaque aux balances. Alors, signe de la balance, je vous propose qu'on regarde tout de suite votre tirage. Donc, en arcane mineur, nous avons 10 de coupe, qui a d'ailleurs été, en parlant de coupe, a été mal coupée. Regardez, il y a un trait blanc plus élevé ici que là. Dommage. Donc, 10 de coupe. Ok, intéressant. Il est temps de sortir vos bols tibétains. Nous avons les étoiles, donc pour l'arcane majeur, pour vous à balance. Nous avons Perslow. Nous avons la carte du changement avec le Yinjing. D'ailleurs, je ne connais pas ce que c'est le Yinjing. Intéressant. Changement. Et nous avons la carte de la victoire pour vous pour le mois de décembre, ami Balance. Ah, c'est positif. C'est positif pour vous, ami Balance, sur ce mois de décembre. Parce que là, c'est vraiment. C'est vraiment positif. C'est dans le sens où, vraiment, là, c'est les fêtes de fin d'année, c'est les cadeaux, vous recevez les cadeaux. Là, c'est vraiment ça, c'est vous allez être gâtés. C'est savoir accepter les cadeaux qui est quand même bien mis en avant, c'est quand même la réception de recevoir les cadeaux, bien sûr, de votre entourage, les cadeaux de Noël, mais aussi recevoir les cadeaux de la vie de manière générale. Soyez dans un mois de réception. Il y a des choses que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas, que vous ressentez peut-être pas non plus, qui sont en cours actuellement pour vous, pour votre futur. L'année 2020 est déjà en train de se préparer pour vous, mais vous êtes inconscient de ça. Et ça, c'est pas grave. C'est pas comme si vous étiez aveugle. C'est pas grave. C'est pas des choses que vous devez forcément savoir de toute façon. Les choses se font, en tout cas, donc vous n'allez pas vous inquiéter. Les choses évoluent, les choses changent. Donc s'il y avait des choses que vous voulez voir évoluer de ça se fait. C'est en train d'être fait, mais vous n'êtes pas conscient de ça. Soyez positif sur ce mois de décembre, acceptez les choses qui sont en train de venir. Vous êtes sur une étoile de la chance, hein, vraiment pour ce mois de décembre. Donc si vous voulez jouer au loto, jouez-y également, c'est peut-être l'occasion d'y jouer. En tout cas, c'est quand même un mois de décembre de récompense globalement en disant c'est bien. L'année 2019 a peut-être une année assez riche pour vous, qui vous a apporté quand même des bonnes choses. Et bien là, c'est vraiment pour conclure cette année 2019 une bonne année pour vous. Donc savourez vos récompenses, savourez votre plaisir, ne vous faites pas de mouron, ne voyez pas le côté négatif ni rien, ne voyez pas le piège, acceptez les choses qui sont en train d'arriver, c'est vraiment très très bien, c'est du positif, c'est que de l'amour, de la joie, du bonheur, et les choses évoluent de leur côté de manière discrète, sans que vous ayez conscience, mais de manière positive également. Donc soyez sûr de vous, soyez contente, n'ayez pas peur. Voilà. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui vous attendent en surprise aussi. Donc c'est très bien pour vous, les amis. Les balances, je suis content pour vous. C'est des très belles cartes pour vous, pour votre fin d'année. C'est très très bien. Enfin, nous allons donc terminer les vidéos avec le dernier signe que je n'ai pas encore attaqué, qui sont donc les Verseaux. Alors, amis Verseaux, nous allons regarder tout de suite ce qui vous attend pour ce mois de décembre dans le tirage. Donc nous avons la carte de l'enfermement avec l'oracle des miroirs. Nous avons nos 10 de nécessité. Arcane mineur, nous avons le chevalier. Le cavalier. Le chevalier. Le chevalier de bâton. C'est vrai qu'on peut dire les deux. Cavalier de bâton, j'en ai les chevaliers, c'est vrai. Donc cavalier ou chevalier de bâton, c'est comme vous voulez. Voilà, l'arcane mineur. Nous avons l'arcane majeur, le monde. Et nous avons la carte connaissance dans l'oracle. Des divinations des temps anciens. Amis Verseau, pour ce mois de décembre, on vous demande de. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais c'est pas grave. Il y a un message quand même qui demande de prendre du recul, globalement, de faire un peu attention à vous par rapport à l'entourage que vous pouvez avoir. Il y aura peut-être beaucoup de monde. Ça va peut-être vous mouvementer un peu, ça va peut-être vous brusquer un peu. Donc on vous demande d'être assez prudent, globalement. À vous et vos énergies. Attention, vous êtes de signe d'air, donc forcément vous êtes facilement emmené, j'ai envie de dire, de droite à gauche. Vous aurez quand même beaucoup de monde de passage qui vont être là. Ça va être un mois assez chargé énergétiquement pour vous. Donc il faudra quand même être assez prudent que vous soyez pas trop fatigué, que vous soyez pas trop fragilisé. C'est aussi le mois où il y a beaucoup de maladies qui apparaissent, donc faites attention à ça aussi. On parle quand même donc de jouer sur la carte de la prudence et surtout d'avoir
de prendre vos moments de ressourcement et donc non, vous serez isolé. Ne pas partir tous les soirs à faire la fête, à sortir, ne pas non plus toujours accepter tout ce qui se passe, mais parfois un peu s'isoler pour pouvoir vous ressourcer également, c'est assez important. On vous demande de prendre conscience de vous-même en fait, de votre situation et de votre fragilité en fait. On vous demande de vous voir comme un être humain et non pas comme un dieu ou un super-héros. Vous avez beaucoup de force, des énergies en vous et on est capable de beaucoup de choses. Mais faut pas oublier que vous êtes un être humain avant tout et non savoir dire stop à un moment donné aux choses qui se passent. Même si votre entourage vous dit le contraire ou etc. Non, à un moment donné, il faut savoir dire stop, s'écouter soi et s'écouter son corps en fait. Prendre conscience des douleurs également qu'on a. Et si on tombe malade, pourquoi on est tombé malade? On vous demande vraiment de prendre conscience de tout ça, de tout ce qui se passe autour de vous en termes d'énergie et au niveau de votre corps pour comprendre ce qui se passe et mieux vous connaître. De faire attention par rapport à votre fragilité. C'est surtout ça qui est mis en avant sur ce mois de décembre pour vous, Verseau. C'est vraiment un message, oui, qui invite à la prudence et de savoir dire stop, non, pour pouvoir vous protéger. Parce que si vous dites pas non, en fait, vous risquez de vous mettre en danger. Alors, pas forcément physiquement, je pense ça, mais la fatigue, surtout la fatigue. Soyez prudent pour ce mois de décembre, ami Verseau. Voilà, bah écoutez, nous avons fait le tour donc, des signes d'air. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mettez un petit pouce également et à partager la vidéo. C'est toujours très important pour m'aider. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et que si vous avez aimé cette vidéo. Et puis bah, voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Et si on ne se voit pas avant, je vous souhaite également des bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt!